Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous la façon dont j'ai arrangé un morceau que j'ai sorti en duo avec une chanteuse, Sarah Kennedy. C'est un morceau, c'est Skylark, un standard de jazz, et il est sorti il n'y a pas longtemps sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Je vous suggère vraiment d'aller l'écouter. Je suis vraiment satisfait de la qualité de l'enregistrement et aussi de l'arrangement et des choses que je fais, de l'intro, tout ça. Donc allez l'écouter, et c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer en fait la façon dont j'ai construit ce morceau, dont j'ai construit l'arrangement plutôt, et quel a été mon cheminement dans la façon dont je l'ai arrangé. Et puis je vais vous montrer des choses sur la guitare aussi, des choses qu'on retrouve dans ce morceau là et puis vous allez pouvoir repiquer mes idées. Alors Skylark, c'est une ballade de jazz qui est vraiment belle, qui est assez connue. C'est pas la plus connue, mais elle est vraiment belle. Et puis Sarah m'a proposé ce morceau-là. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai voulu faire un arrangement pour duo, guitare-voix. Donc, en général, c'est des morceaux qui ne font pas 5 ou 6 minutes. C'est des morceaux de 3-4 minutes qu'on vise dans ce genre de formation. Puisque c'est un peu compliqué, on ne peut pas forcément faire trop de solos. On peut pas trop. Donc, Sarah, elle ne va pas faire 3 grilles de scat, surtout pas sur une balade. Donc on cherche à faire des variations, un peu comme ce qu'on trouve dans la musique classique. On prend un thème, on le modifie, on fait une petite interlude, ce genre de choses. Il y a deux choses dont j'aimerais parler. La première, c'est l'intro. Donc Skylark, c'est un morceau que nous... C'est un morceau majeur, que nous, on a pris en La bémol majeur. Skylark, bobedo, badododo, etc. C'est ça la mélodie. Donc La bémol majeur. Je voulais faire une intro, mais je voulais pas faire une intro dans la tonalité du morceau. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une intro dans une autre tonalité pour avoir un effet de surprise au moment où on commence le morceau. Comment j'ai fait ça? Donc l'idée, c'est assez simple, j'ai pris les dernières mesures du A qui font... Voilà. C'est les 8 dernières mesures du A, je pense. Et j'ai essayé de les faire dans une tonalité qui sonne bien. Et cette tonalité-là, en fait, j'ai pas cherché à la calculer par rapport à la tonalité de base et me dire « Ah, je vais prendre une tierce majeure au-dessus ou une quinte diminuée plus grave, ça sonne. » Ce que j'ai voulu faire absolument, et c'est ça qui fait qu'en général, les modulations s'enchaînent bien, c'est que la mélodie de fin de mon intro s'enchaîne bien avec le début du morceau. Et donc qu'on ait une sensation à la fois de surprise, mais pas qu'on se dise « Oh, c'est quoi cette tonalité bizarre qui arrive ?» Que ce soit une surprise agréable, on va dire. Donc c'est surtout ça que j'ai visé, et j'ai cherché quelle était cette tonalité. Donc « Pi ba da 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 » c'est ça, ça fait ça à la fin. Je me suis dit, donc j'ai testé plein de choses, et je me suis dit qu'en Si majeur, ça sonnait assez bien, parce que je finis sur cette note, sur le degré 1 en Si majeur, et après je peux faire une transition, et après je peux faire Skylark, donc de Si majeur à La bémol majeur, c'est quoi? C'est une tierce mineure plus grave, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que je suis arrivé, je me suis dit, cet enchaînement, il sonne bien. Et après, j'ai essayé d'étoffer avec des accords. Donc ce que j'ai fait pour la transition, j'ai fait ça. J'ai fait une résolution de mon intro sur le Si majeur. Après, j'ai fait... Là, j'ai fait un... Ça, c'est un Si 7. J'ai fait un Si 7. Si bémol 7, Mi 7. Sauf que j'avais cette note dans les aigus, ça fait une dissonance que j'aime bien. Ça, c'est un espèce de Si bémol 7 enrichi, Mi bémol 7 enrichi, avec une neuvième et une quinte augmentée. Skylark, etc. Et donc, je vais vous jouer lentement cette intro que je fais dans la version que vous allez pouvoir écouter sur les plateformes que vous, votre plateforme de streaming préférée. Comme ça, vous allez pouvoir repiquer un peu mes idées. Thank you.
Donc là, il y a un peu des réharmonisations. J'aime beaucoup les approches, les mouvements chromatiques d'un accord à l'autre, plutôt que de faire... Je préfère ajouter des petits chromatismes, du contrepoint, on va dire, ou des mouvements. Donc comme ça, en fait. J'ai un chromatisme dans les basses. Ça adoucit les enchaînements d'accords, j'aime beaucoup, ça fait penser un peu à... On retrouve ça dans Bach un peu, avec tous les retards, Jean-Sébastien Bach, dans tous les retards qu'il y a d'un accord à l'autre, et ça crée des dissonances de passage qui sont pas forcément faciles à analyser, mais c'est pas trop l'idée. L'idée, c'est juste de créer quelque chose de linéaire, de horizontal, d'une transition, en fait, d'un accord vers l'autre, et on rajoute un peu des chromatismes, et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, et que je mets... souvent dans mes arrangements. Et donc ce qui marche aussi très bien avec cette intro, c'est qu'il y a un bout du thème. Donc en fait, quelqu'un qui connaît le thème et qui entend... Ben, il reconnaît Skylark. Il se dit, ah tiens, ça va être Skylark. Hop, Skylark. Hop, il y a la modulation et puis on commence le morceau, il y a un effet de surprise et puis là, puis voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça, on avait le morceau, on avait la structure, on avait la fin, tout ça, et... un peu avant d'enregistrer, un peu avant la session d'enregistrement, dont je parle d'ailleurs dans une vidéo qui est sortie ou qui va sortir. Je vous donne des conseils, je commente un peu cette session d'enregistrement et puis je vous donne des conseils sur comment bien faire une session d'enregistrement. Je me suis dit qu'il manquait quelque chose et que j'avais envie de faire une petite interlude entre les deux, c'est pas des refrains, mais bon, qu'on répétait à la fin. Et j'avais envie de refaire un BA à la fin, en fait, et de faire une interlude entre le dernier A et le BA. Et j'avais une idée en tête d'un truc qui descendait chromatiquement, qui faisait... un truc un peu, je sais pas moi... comme ça, qui à la fois sonnait un peu jazz, qui descendait un peu comme un... vous savez, cet effet de... c'est pas le bâton de pluie, mais... un truc qui fait comme ça. Et en même temps, avec une approche un peu musique classique, en fait. J'avais envie qu'on sente, pas Bach, mais quelque chose comme ça, dans cette descente-là. À la fois jazz, à la fois musique classique. Donc, c'était pas forcément évident, mais j'ai vraiment... c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de goût à faire. C'était pas évident à faire, ça a pris du temps. Mais je suis assez satisfait du résultat, et j'aimerais vous montrer ce que j'ai obtenu. Donc, il fallait ce truc, cette descente-là, de transition, il fallait la lancer à la fin... du A du morceau. Donc il fallait que je m'adapte à la mélodie de la fin du A. Et ça fait ça. Et là, ça repartait. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait que je fasse ma descente. Là. Donc c'est ça que j'ai fait. Et je vous la montre tout lentement. Donc ça, quand je l'ai fait, je me suis assuré que la mélodie qui allait être chantée était exactement celle qui était prévue et qu'elle fluctue pas rythmiquement pour que chaque note aille bien avec cette mélodie et que chaque accord que je joue sonne bien avec cette mélodie. Donc là, je l'ai fait lentement. Vous pourrez l'entendre. Et donc, toute cette mélodie, ça sonne bien, pas consonant, sauf à la fin. Là, il y a une dissonance qui est voulue, en fait. Il y a un petit coup de klaxon. Et après, ça repart sur quelque chose de beaucoup moins dissonant, sur la partie B du morceau. Donc, repassez-le au ralenti, si c'est nécessaire, ce passage-là. Allez l'écouter, le morceau, vous allez l'entendre. Donc, la voix plus ce passage-là, qui sonne normalement au tempo, ça sonne un peu... ça coule tout seul, hein, ça, comment dire, ça sonne pas... C'est deux fois plus vite que ce que j'ai joué à peu près, donc, et ça sonne vraiment bien, je pense, avec la voix. Il y a autre chose que j'ai fait pour créer de la variation sur ce morceau-là, c'est que je ne voulais pas avoir trop de A qui se ressemblaient. Et le A, c'est une espèce de montée diatonique. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose de différent harmoniquement. Et donc, j'ai réussi à trouver quelque chose de plutôt sympa, je trouve, avec une logique de pédale, donc une
une note qui reste dans les graves, et je me suis dit que ça marchait vraiment bien avec un fa. En faisant ça. Pa, donc Skylark. Pa, de, dan, da, do, 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 do. Et après, ça change un petit peu. Mais c'est ça l'idée. En plus, c'est facile à jouer. Enfin, facile. C'est un peu des grands écarts, mais j'ai juste à laisser le pouce et je peux faire ma rythmique, quoi. Et tout de suite, ça apporte une atmosphère beaucoup plus mystérieuse, on pourrait dire, ou un peu triste, peut-être, parce qu'en plus, une note assez grave. Sonorité, là, c'est pas trop dissonant, mais il y a quelque chose d'un peu modal aussi, que j'aime bien et que j'espère que vous apprécierez dans l'enregistrement. Voilà, dans cette vidéo, l'idée, c'était de partager un peu mon processus créatif, et puis, en particulier sur des morceaux. C'est pas juste des morceaux exercices que je partage, c'est vraiment un morceau que je publie sur Internet, sur Spotify, en streaming. C'est des choses que j'ai vraiment travaillé assez finement, c'est des arrangements que j'ai faits. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de partager un peu le processus créatif et puis le résultat final aussi, d'avoir des tablatures de ça. Si jamais ça vous a plu, si vous aimeriez en avoir d'autres, des vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Skylark, c'est le premier morceau qu'on a sorti avec Sarah. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Sarah, et puis elle a surtout un Instagram. Je ne sais pas si elle a trop YouTube, mais elle a Instagram. De la suivre sur Spotify, d'aller écouter les autres morceaux qu'elle fait, évidemment, de la soutenir comme vous pouvez. Et on a d'autres morceaux, en fait, qui vont sortir ou qui sont peut-être déjà sortis au moment où je sors cette vidéo. Donc, abonnez-vous pour suivre un peu les morceaux, pour suivre un peu nos nouveaux morceaux. Et puis, s'il y a des morceaux qui vous plaisent et vous aimeriez avoir des explications sur comment j'ai fait pour jouer ces morceaux, et ben n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir d'expliquer ça en vidéo. À bientôt. So if you see them anywhere, won't you leave?